On peut se faire du souci pour nos enfants, l'état du monde est terrible. Et en même temps, quand on voit l'état des jeunes aujourd'hui, on peut se dire aussi, tiens, c'est eux qu'on va laisser notre monde, merci bien. Hein. Pardon, mais les jeunes, quoi, les jeunes? Regardez les jeunes, regardez les jeunes. Regardez, plus aucun vocabulaire. Eh ben, je change de voyelle. Oh, I, O, U, hein. Puis après, on fera les consonnes demain. Hein. Ils savent plus s'exprimer, les gamins d'aujourd'hui. Les jeunes, parce que c'est les réseaux sociaux, c'est, ils lisent plus. Ils lisent plus, vous ne lisez plus. Du coup, vous savez plus écrire, vous savez plus lire, c'était une catastrophe. La preuve, j'ai ramené, je suis venu dans mon spectacle, je montre une conversation WhatsApp entre deux jeunes. Que je regardez ça. Salut, qui c'est? C'est moi? Moi qui? C'est moi, moi? Ah, c'est toi? Tu fais quoi? Rien. Et toi? Eh ben, rien. Et ce soir, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah, pareil. Rien. Bon, ben, demain, oh, je t'adore. Eh ben, moi aussi. Eh ben, t'es comme... je comprends plus. Conversation entre deux jeunes. Et attends. Et ils sont persuadés de ne pas faire de faute d'orthographe. C'est terrible. Est-ce qu'il y a une, à quoi sert la grande littérature française si vous ne lisez plus? Il faut lire. Il faut lire. Je ne veux pas vous emmerder avec ça, avec cette passion de vieux, hein, la lecture. Mais c'est formidable, la lecture.